jamais. Don't miss the train. Don't shut your brain. Embrace the pain. Yeah, man. Don't stay, don't do the same. This is not insane. Yeah, man. Oh, le joli arc-en-ciel. Hey Nico, je t'avais dit qu'il fallait pas prendre ce chemin. Nous voici à Angles-sur-Anglin, un des plus beaux villages de France, et on a une jolie surprise en passant par là au détour d'un chemin, un joli rassemblement, et puis des collègues cyclistes avec nous. Voilà, avec des vélos. Vélocipédistes. Nous voici revenus dans le temps d'avant, 1870-1890. Au détour d'un chemin, on est tombé dans une super fête de village et on a rencontré des passionnés, des vélocipédistes. On a discuté avec nos vélos du futur, on a fait des petits tests, des petites comparaisons, on n'a pas voulu faire la course. On longe la Vienne, donc quand vous regardez sur une carte, ça va du nord au sud, donc on a l'impression que ça descend. C'est plutôt marrant, mais en fait non, ça descend pas. Là, en fait, on commence à rentrer dans les phases où il y a du dénivelé. Donc aujourd'hui, on avait 500 mètres de dénivelé positif. Donc ça fait un peu comme ça tout le temps. Bon, c'est les débuts. Jusque-là, c'était super plat. On a fait toute la Loire, c'était plat. C'est pas très fatigant. Là, ça commence un peu à taper dans les cuisses. Yeah, man. Yeah, man. Moi, c'est Fanny, j'ai 29 ans, je suis arrivée ici donc à Jouer il y a un an. J'ai un parcours un peu atypique, on va dire. Voilà, j'étais à Paris, j'ai eu envie de... T'as vécu longtemps sur la région parisienne? Ouais, une dizaine d'années. Et à 25 ans, j'ai décidé de partir vivre autre chose. J'ai pas mal vadrouillé pour arriver ici tranquillement, apporter un petit projet... Toute seule, ouais. Ouais, j'ai saisi l'occasion, l'opportunité. Alors, par curiosité, je suis allée dans différentes fermes, voir un petit peu comment ça se passait à droite à gauche. C'était pas forcément au début pour devenir agricultrice ou développer quelque chose. En fait, c'était vraiment juste voir, quoi, voilà. T'as fait du woofing. C'est ça, woofing, pas mal de jobs saisonniers, cueillettes, etc., quoi. Et donc j'ai pu voir un peu tout l'élevage, la culture du sol, voilà, légumes, fruits, voilà, toucher à tout. T'as pu voir et... ce qui te plaisait, ce qui te plaisait moins. Ouais, c'est ça, me faire un peu une idée sur l'agriculture aujourd'hui. C'est la jeunesse qui revient et ça c'est très intéressant pour les petits villages comme ça qui sont... Malheureusement, il y en a plein de petits villages qui sont en train de s'éteindre au fur et à mesure. C'est un peu compliqué, justement, on est dans une époque où il y a beaucoup d'agriculteurs qui partent à la retraite et très peu de personnes, de jeunes qui reprennent derrière. Et ça me tenait à cœur. Là,
tu, par exemple, tu fais ton potager que tu as commencé pour la première fois. C'est mon premier potager. C'est ton premier potager qu'on va aller regarder. Oui. On prend soin de son jardin, on prend soin de soi, on prend soin de la terre. On voit vraiment les choses autrement. C'est une culture qui me correspond bien, très saisonnière, qui permet aussi d'avoir une vie à côté. Le temps est très important, donc tu te permets d'avoir du temps. Et du temps, ouais, c'était un de mes critères. Une nouvelle vie qui me correspond un peu plus, qui, voilà, je reviendrai pas en arrière. Donc toi, après, un côté plus pro, t'as un projet aussi de monter quelque chose dans ce ordre d'idées. C'est ça. Donc là, c'est vraiment le côté perso, on va dire. Voilà, c'est pour se nourrir, pour nourrir les personnes qui vivent ici. Même si je pense que pour l'instant, au niveau quantité, on n'est pas encore. Oui, mais c'est encore ça. Mais à côté, voilà, moi, si je suis arrivée ici, on m'a proposé, c'est une opportunité, on m'a proposé ces terres parce que je portais déjà un projet à la base. Donc voilà, donc là, l'idée, c'est sur cette parcelle-là d'implanter la culture de petits fruits. J'ai fait faire des analyses de sol qui sont bonnes. Donc ça va pouvoir se faire ici. 3-4 ans qu'il n'y a plus rien. La terre est bien reposée ici. Ah oui, là, je peux passer en bio direct. Ah ouais. Tout va bien, c'est bon, j'ai pas besoin d'attendre 3 ans. Quand on commence un nouveau projet, enfin voilà, on part de zéro, c'est que moi tout est possible, alors ça peut faire un peu peur, mais tout est envisageable, quoi. Donc un jour on se dira, tiens, pourquoi pas un verger, ah tiens, pourquoi pas installer un autre porteur de projet. J'aime beaucoup les animaux, parce qu'ils sont vraiment, je trouve, les animaux très fidèles, très sincères. Et c'est ça qui. Ça me rend heureux aussi, les animaux me rendent heureux, quoi. Enfin, quand on les voit. Les voit venir, s'approcher, faire des câlins, des trucs comme ça, c'est vraiment très sympa. Là, je vous présente donc Fanchon et Guapo, deux petits ânes qui viennent du Tarn. Dans l'esprit, tu disais le lait d'ânesse. Ouais, c'était ça. Ils viennent d'un élevage d'âne pour produire du lait d'ânesse et des cosmétiques à base de lait d'ânesse. Et voilà, bah, du coup, c'est devenu mes compagnons. Cette conscience-là avec le lien de la nature, c'est venu il n'y a pas si longtemps que ça. Ça doit faire. Depuis que je suis dans la Vienne, donc ça doit faire à peu près 5 ans, où je me rends compte justement que oui, il faut faire quand même attention à protéger la nature, parce que la nature est quand même très belle, donc il y a plein de lieux magnifiques qu'il faut préserver et éviter de détruire. Dans un cadre préservé, je suis hyper heureuse, j'ai trouvé deux essaims comme ça, là, sur ce terrain-là d'ailleurs, qui sont maintenant dans des petites ruches un peu plus loin. On est vraiment bien là, c'est vraiment. Alors je trouve que ce mode de vie, oui, justement, est quand même plutôt paisible. Je trouve ça vraiment bien, où on est aux côtés de la nature, où justement maintenant, c'est beaucoup de personnes ont tendance à aller sur un milieu urbain ou cherchent un peu plus la ville, alors que la campagne, justement, est nette. Enfin, quand on y a goûté, après, on y prend vite goût et on apprécie vraiment le calme, la nature, la faune, la flore. Je trouve ça génial. Enfin, pour moi, il faut faire là où on est et se reconnecter avec la nature, voir quelles sont nos richesses sur place. En construction, il y a le potager qui est encore en chantier. Oui. On commence un peu, il y a tellement de choses à faire qu'il y a des choses qui commencent un peu à droite à gauche, mais bon, j'ai espoir que. Et les chantiers participatifs, c'est quelque chose que tu as. Oui, que j'aimerais bien mettre en place, notamment pas pour les cultures, lancer la fraiserie, etc. C'est des choses qui me prennent énormément de temps. Travailler un petit peu la terre et tout, ça c'est quelque chose que Fanny, justement, va me donner sûrement envie à force de l'avoir fait. Ouais.
On a quand même pas mal de gens qui sont demandeurs de ça. Moi, je me suis rendu compte là en installant que oui, c'est ça, ça attire plein de gens qui disent ouais, c'est bon, un coup de main. C'est ça. On est là. C'est très spontané. En fait, il y a quelque chose comme ça dont tu peux témoigner, c'est que quand tu te lances dans l'idée que tu as eue, tu le fais pour toi, tu te rends compte que il se passe quand même quelque chose, quoi. C'est ça. Il y a quelque chose, ça attire des gens. Après, il y a certains qui ont un petit peu peur aussi de se lancer, qui se disent, bah tiens, du coup, là, il y a quelqu'un qui le fait, donc... Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, à quelqu'un qui voudrait se lancer comme ça, qui serait, en fait, au début de ton parcours, mettons, et qui aurait cette volonté, mais qui se sentirait bloqué ou qui aurait peur? Qui aurait peur ou... À un moment, il faut arrêter de se poser 36 000 questions et go. Venez à la campagne, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Il y a plein de découvertes à faire sur la faune, la flore, sur les méthodes de travail. C'est complètement différent par rapport au milieu urbain. Et tout aussi passionnant, même voire plus, quoi. Ouais, c'est hyper important de... Bah, de se sentir bien, tout simplement. Quoi. Peu importe ce qu'on va faire, qu'on implante un projet, qui est primordial, c'est d'être en accord avec ce qui nous entoure. Ce qui nous fait du bien. Ouais. Et après, ça facilite énormément la vie, en fait, de pouvoir se lever le matin, ou voilà, même si on part un petit peu de mauvaise humeur, hop, de lever la tête et dire non, tout va bien. Donc, t'as un bel exemple que ça, c'est possible. Oui, ouais.